m'appelle Maxence Champosas, je suis en seconde, je m'entraîne à Montpellier et j'ai mes parents, ils habitent à Sierrest, là je suis à côté de Marseille. Et voilà, ça fait 7 ans que je joue au ping. Mon père il en faisait, quand j'avais 5-6 ans il a commencé à en faire. Et après il y a mon frère qui a commencé aussi. Et du coup moi j'ai suivi voilà, vers 8 ans. Je faisais plusieurs sports en même temps. Et je m'entraînais une à deux fois par semaine, le lundi, le mercredi, à Sierrest, avec mon père qui faisait du panier. Et voilà, juste un peu de jeu juste pour l'instant. Et après, vers 9-10 ans, j'ai commencé à avoir un entraîneur, alors que moi qui venais toutes les semaines le vendredi, qui me faisait pendant une heure et demie avant l'école, en primaire, pour, il me faisait une séance, voilà, et après j'allais en cours. Au début, j'étais bien en dessous de, par exemple, Hugo et Sandro. Quand même, j'étais en dessous parce qu'eux, ils ont commencé plus tôt. Et j'ai progressé en... Là, je suis allé en famille d'accueil à partir de la 6e. C'est là où j'ai vraiment commencé à prendre du niveau. De 6e à 4e, j'étais 1500, 1600. Ouais, j'ai commencé à progresser dans le groupe, genre top 10. Mais si tu fais rotation, tu donnes son revers la première, elle revient coupée. Donc d'ailleurs, ne force pas. Tu reviens, tu la raccroches, à moins qu'elle soit haute, bien placée pour accélérer ça, oui. Mais si elle est dure, tu la raccroches une deuxième fois. Et tu verras que ce sera beaucoup plus simple derrière. Toujours sur ça. Et prends ton temps pour servir, d'accord? Ok? Allez. Là, je m'entraînais tous les jours, de 17h à 20h le soir. Et donc voilà, c'est progression avec plusieurs coachs. Des séances individuelles et voilà, des matchs, tout le temps, beaucoup de matchs, et ça fait progresser, voilà. Je suis un peu excité à la table, même un peu en dehors, je pense, et je suis plus offensif, agressif. Après, faut pas trop que je m'énerve, parce que souvent je m'énerve des fois, mais si j'arrive à être posé, calme, je peux être vraiment bon, mais si je commence à partir dans les hauts, craquer un peu. Et des fois, je fais des petites contres, des trucs comme ça. Le club, ce qu'il représente pour moi, même quand j'étais à Sierrest, c'est eux, ils envoyaient des coachs pour me prendre en séance. Voilà. Et en fait, j'ai fait ma progression tout le temps avec Istres, même quand j'étais pas Istres. J'aimerais toujours qu'on gagne tout, mais c'est un peu dur. J'aime bien surtout aider l'équipe. Quand je suis tout seul, des fois, je me reproche des trucs. Et ça m'énerve un peu, alors que là, je sais que je gagne un point, c'est pour l'équipe, c'est pas que pour moi. Donc après, ça fait aider les autres et du coup, tout le monde s'entraîne. Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne des victoires assez facilement pour l'instant. Pour le moyen terme, là, dans 6 mois, je pense que c'est les championnats de France. Essayer de faire des bons résultats, franchement. Et après, dans 3 ans, essayer d'être joueur de N1, Pro B. Et jouer, essayer de me faire une place en équipe de France, voilà. Ça va être le plus dur, je pense, mais je vais tout donner, voilà. Je pense que c'est possible et je pense que là, je suis prêt à progresser, voilà.